J'ai la chance de te présenter une huile essentielle, en fait, qui s'appelle le Davana. Davana, si tu réussis à mettre la main dessus, t'es chanceux ou tu es chanceuse, parce que au moment où je fais cette vidéo, ce n'est pas une huile que doTERRA, vend à tous les jours. Donc, si tu peux mettre la main sur ce produit extraordinaire, je te le suggère fortement. Pourquoi? Parce que j'ai toujours des fois de la misère à le prononcer. Le Davana a une odeur qui ne se décrit pas. Ça se vit. Je ne suis pas capable de te comparer cette odeur-là avec n'importe quelle autre huile essentielle, OK? Le Davana, dans le fond, j'ai quelques petites notes que je veux vraiment, pour vraiment t'expliquer. Le Davana, c'est une plante aromatique originaire du sud de l'Inde. OK? Elle est utilisée pour faire des bouquets, pour les rites religieux. OK? Donc, c'est une huile essentielle qui a un parfum sucré, chaud, exotique, sensuel et intriguant. Donc, c'est vraiment un arôme, herbacé. Puis comme c'est mentionné dans mes notes aussi, il y a des notes de prune et de raisin et une touche de bois. C'est assez particulier. Le Davana, en fait, on peut l'appliquer sur la peau, qui va être très bon, OK, pour la peau. A de très bonnes propriétés. On peut l'utiliser également comme parfum. Toujours encore sur les poignets, en arrière des oreilles, à la nuque. Donc, je vous le dis, c'est vraiment une huile particulière. C'est une huile essentielle qui va vous aider à faire un lâcher-prise. C'est vraiment une huile qui va vous séduire, je vous le dis. Donc, Davana, si vous êtes capable de mettre la main sur cette huile essentielle, c'est vraiment, vraiment, vraiment particulier. C'est une huile qui est très connue, justement pour les dans les traditions indiennes, pardon. Donc voilà, le Davana.